dit « Oui, bonjour, oui, et vous, vous êtes mal sourd ?» lui répond le sourd. Voilà. Et là, le journaliste n'a pas su quoi répondre. C'était fini, quoi. Mais ça, c'est une façon de se mettre à égalité avec l'autre. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire retourner les choses, et souvent les sourds emploient ça, mais pas que toutes les minorités, hein, emploient ça, c'est-à-dire se mettre à égalité avec l'autre en renversant, quoi. Voilà. Et après, on peut discuter. Une fois qu'on est à égalité, on peut discuter. Mais ce que beaucoup d'entendants ne comprennent pas, ne conçoivent pas, c'est qu'il y a une communauté sourde, il y a une culture sourde qui est propre aux sourds et qui est avec des revendications, avec une véritable... C'est une culture, c'est une communauté et ce n'est pas juste des individus qui complètement épars, qui n'essayent pas de construire quelque chose. Moi, je me demandais justement si les réticences ou des méfiances qu'on perçoit partout, on est dans une société où on voudrait que tout le monde soit pareil, donc que tout le monde soit de préférence mâle, blanc, catholique, en Europe en tout cas, et en alignant un certain nombre de stéréotypes comme ça. Je me demande s'il n'y a pas des similarités entre les combats que doivent mener les communautés de sourds, par exemple, et les combats que doivent mener les femmes qui sont très solidaires sur ces questions. Et est-ce que de la même manière, on ne nous fait pas un procès en conspirationnisme ? Moi, je me suis souvent demandé, en regardant des gens signer, ce qui est très beau et qui est fascinant à regarder, c'est magnifique, c'est comme une danse. Mais je connais aussi des gens qui, ben, quand on est en face de quelqu'un qui parle une autre langue, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est en train de dire du mal de moi? Qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Et nous, quand nous sommes, admenons des combats collectifs, nous inspirons cette inquiétude-là aussi. Tout à fait, mais c'est comme le regard qu'on a sur la science-fiction. C'est que pour beaucoup de gens, la science-fiction, comme c'est aussi du rêve, de l'espoir, c'est aussi se projeter dans l'avenir. C'est pas de la littérature. C'est pas... Nous sommes de doux rêveurs, nous sommes des adolescents attardés qui construisent des mondes pour y rêver. Et donc ça rejoint aussi cette... oui, mais c'est quoi ces hystériques qui veulent absolument changer la langue, changer le rapport, les rapports de force, lutter contre le pouvoir absolu du masculin dans la langue et des choses comme ça. C'est... qu'est-ce que c'est que ces personnes qui veulent absolument sortir de la réalité. Karine, on n'a parlé que de Amatka, que vous avez écrit il y a 6 ans, mais vous avez écrit beaucoup de nouvelles, vous en écrivez en ce moment. Est-ce que la question du langage est une question importante pour vous qui revient? Et quelles sont les thématiques qui vous préoccupent? Est-ce que ce dont on a parlé jusqu'à maintenant fait écho à des textes qu'on n'a pas encore pu lire en français? Mais qu'on lira peut-être bientôt, j'espère. Oh, I'm very concerned with language. I think that, I mean, I've listened to, and the translator is very good. Thank you very much. And I think I've gotten the gist of what you're saying, which is the conversation about talking about the norm and how we talk about the norm and how we program the norm into the language is very interesting, such as the fact that, you know, the man, as we mentioned earlier before the panel, that men are people and women are women. And those are apparently the two binaries. There's nothing else. That's all we can talk about. And this is going on in Sweden as well. We're trying to find new ways to talk about reality, to talk about all the people, all the individuals that are out there, and to actually try to, instead of prescribe reality, which traditional language tries to do, to describe reality and all the people that exist there, all the possibilities, not just describe the norms that we try to impose upon reality, but instead describe what is actually there, which is what I am trying to do in my fiction and what I'm trying to do in my language as well. I'm working on a novel right now where I am
also trying to make language describe what is actually there in reality. I was also thinking about, because you've been talking about how French is a gendered language, very much so, and we don't have quite the same problem in Swedish, but we are trying to establish a new gender-neutral pronoun, which has got a lot of backlash, saying specifically that we don't need this gender-neutral pronoun. In fact, it has the same sound as the word for chicken in English, so it shouldn't be valid, etc., etc. There's a huge backlash, but I do think that when every revolution comes, when every positive revolution comes, there will be the old dinosaurs to try to find back before the meteorite hits them. Et c'est aussi la réaction est étrange parce que c'est comme si on ne comprenait pas que ce travail sur la langue, ce travail féministe de changement de la langue, de métamorphose, est en fait une manière d'inclure tout le monde, de donner une humanité aux femmes, mais aussi à toutes les autres personnes, à tous les autres genres, à toutes les autres minorités, de leur donner une existence et des mots pour exprimer leur propre réalité, leur propre personnalité, leurs rêves et leurs envies. C'est vraiment quelque chose qui est là pour inclure, pour réunir, et pas pour exclure, contrairement à ce que pensent beaucoup de dinosaures. Il faut trouver des manières de le faire. Elles sont souvent compliquées, elles sont souvent contestées. Il y a l'écriture inclusive avec cette forme qui consiste à utiliser un point pour avoir à la fois le suffixe masculin et le suffixe féminin, qui fait pousser des hurlements aux dinosaures. Il y a la règle de l'accord de proximité à l'écrit, qui semblerait si naturel et si simple, et qui fait aussi pousser des hurlements aux dinosaures. Il y en a aussi quelques autres. Donc, voilà, quel serait le bon formalisme? Parce que la question du pronom dont parlait Karine, c'est la première, évidemment. Comment nous désigner d'une manière qui ne nous réduise pas à quelque chose de trop déterminé et de simpliste? C'est vraiment très compliqué comme question. C'est la différence entre l'écriture inclusive et l'écriture qu'on appelle épicène. L'écriture épicène est un moyen, est une tentative de neutraliser, d'ajouter du neutre, et donc d'éliminer le plus possible les accords de genre, de pouvoir, au lieu d'utiliser des adjectifs qu'on va devoir accorder à un genre ou à un autre, utiliser un verbe, utiliser un mot épicène, comme une sentinelle, par exemple. Une sentinelle peut être aussi bien masculine que féminine. Vraiment trouver des façons de neutraliser totalement la langue. Alors que l'écriture inclusive, elle, a un côté plus militant. Énumératif. Oui. Et plus énumératif et qui est en train de créer de nouveaux pronoms, de nouvelles façons de parler, de nouvelles façons de désigner et les mots et les personnes. Et en fait, quand les gens voient le point médian, oh mais quelle horreur, ils ne savent pas comment le lire. Alors qu'en fait, c'est simplement, par exemple, on va prendre auteur, is, c'est auteur et autrice, quand on le lit. C'est juste une façon de ne pas alourdir le texte en systématiquement nommant les deux genres dont on parle. Et c'est ça qu'ils oublient souvent. Et surtout, le point médian n'est qu'anecdotique par rapport à tout le reste de ce qui forme l'écriture inclusive.